Well, hello! Oui, je sais ce que j'avais dit. J'avais dit moins de vlogs, possiblement plus avant un moment. Et finalement, me revoilà. La raison de ce petit vlog, c'est que vous l'aurez constaté, donc la semaine dernière pour moi, en fait pour vous, ça fait les 2 dernières semaines. Il n'y a pas eu de vidéo, il y a des petits trucs qui sont arrivés, qui ont changé et donc il n'y a pas eu de vidéo parce que j'allais pas très bien et que j'avais pas tellement, même encore un petit peu maintenant, j'ai pas tellement l'esprit à créatif entre guillemets et à faire des vidéos et tout ça, même s'il y en a que je suis en train de préparer très très doucement pour pouvoir les faire dans les semaines qui arrivent. Mais j'ai trouvé un travail. C'est pas un travail qui me plaît, mais ça permet de payer les factures. Juste gagner assez pour payer tout ce qu'il y a à payer pour vivre l'humanité. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je suis. Ces dernières semaines, j'ai genre. Ouais, la dépression m'a un petit peu punchée dans la face. J'ai pas mal pleuré. J'ai eu le boulot, mais c'est pas un boulot qui me plaît et on l'a fait avec. C'est en attendant éventuellement de me reconvertir, enfin, pas me reconvertir, mais disons faire une formation par correspondance qui me plairait pour devenir jardinier paysagiste. Et je sais que c'est pas un métier facile, mais ouais, c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus, les plantes et pas seulement les plantes d'intérieur, mais même les jardins et tout ça. Et je pense que ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, même si je sais que voilà, c'est pas un métier facile et t'es dehors et tu te tapes les intempéries et c'est pas facile, mais ça m'intéresserait quand même beaucoup plus que d'être caissière. Il y a le fait évidemment aussi que bah là on voit pas trop, même voire pas du tout, nos amis. Moi j'ai pas énormément d'amis en Bretagne, ils sont ailleurs mes amis malheureusement, donc je les vois pas. Mais les amis qu'on a ici, bah on se voit pas trop et ça commence à me... À, comment dire, enfin à prendre part à tout ce qui me démoralise en fait. Parce que j'aime bien voir des gens et j'aime bien voilà, voir nos amis, tout ça. Là, ce dimanche, on est invité chez nos amis Pierre-Yves et Mélodie, donc ça va être cool, ça va faire plaisir de les voir. Du coup, on a prévu quelques petits trucs pour dimanche. Je suis extrêmement pressée d'être dimanche. Je vous raconte ça va être la journée parfaite pour essayer de me remonter le moral pour le reste, enfin voilà, pour la semaine passée. Pour cette semaine en fait, là, au moment où je vlog. Là, je vais mettre mes chaussures et on va y aller. J'ai un petit tour à faire à Ikea. Ils vendent une espèce de marchepied et je me suis dit que ce serait parfait pour mettre dans le coin par terre pour pouvoir mettre au moins mon ficus elastica sur le dessus et ça permettrait d'avoir un peu d'espace pour éventuellement mettre d'autres petites plantes qui arriveront peut-être bientôt, peut-être dimanche. Pas spécialement hâte d'aller à IKEA parce que je sais qu'il va y avoir du monde, il y a tout le temps du monde. Et que c'est grand et que voilà, moi je sais ce que. Généralement, quand je vais à IKEA, je sais ce que je veux et ça m'agace les gens qui flânent et les trucs de. Moi c'est comme. Je fonce parce que je sais exactement ce que je veux et où c'est donc. Je perds pas de temps. Comme c'est à côté, je vais peut-être m'arrêter à Truffaut aussi parce que je veux voir ce qu'ils ont comme décoration de Noël. Je suis en quête d'une couronne de Noël qui me plaise parce qu'on veut en mettre une sur notre porte d'entrée. Donc c'est comme des mini-achats, mais là, je dois vous avouer que déjà, j'ai eu une matinée de merde au boulot, plus le fait que de toute façon, ça me déprime et tout ça. Donc c'est un petit peu comme une espèce de. Voilà, de petite récompense. Je sors, je vais voir les décorations de Noël. Je vais acheter 2-3 trucs, mais j'essaye de faire quand même attention à ce que je dépense. Et c'est ça, c'est mon petit, tu sais, le petit truc que j'aime bien. Donc, bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer un peu les magasins que vous connaissez sûrement déjà, mais bon, c'est pas grave. Let's go!
Bon, et eh bien mon petit tour à Truffaut s'avère pas terrible. Ils ont, enfin leurs rayons sont sympas quand même. Ils ont pas mal de déco et ils ont fait un petit truc de genre petit village de Noël. Mais en couronne de Noël, c'était, ils en avaient genre peut-être 3-4. Et ça faisait cheap, c'était pas très joli. Donc je sais qu'ils en ont des sympas à Point Vert, donc magasin vert, donc on va y aller tout de suite. Et j'aimerais me trouver 2-3 petits trucs aussi, donc on va aller faire un tour et puis... Et ensuite direction l'appartement. Well, hello! C'est le lendemain puisque je sais absolument pas vlogger, mais en même temps il n'y a pas vraiment de règles donc c'est pas grave. Mais en gros je suis retournée un peu dans les magasins ce matin parce que finalement je suis retournée à Ikea parce qu'ils vendaient comme des petits sapins en pot, donc je vous mettrai une image là parce que là il est dans la voiture. Parce qu'on veut mettre ce petit sapin là dans la chambre et le décorer avec des décorations un peu funky parce qu'il y a un peu plus d'un an j'avais acheté cette genre guirlande qui fait de la lumière, puis il y a des pompons un peu multicolores et je trouvais l'idée sympa de faire comme un mini sapin un peu funky. J'arrive plus à parler. J'étais ce matin en quête de décoration funky et j'en ai pas vraiment trouvé parce que c'est pas vraiment la mode. Donc j'ai juste trouvé ce petit Père Noël qui genre tombe, qui accroche à une étoile et qui tombe. Donc c'est pas genre funky funky, mais je trouvais que c'était rigolo. Et puis j'ai pris cette petite cabine, genre télécabine de ski, c'est genre le sapin, c'est comme un peu weird, donc je me disais que ça passait, mais j'ai pas trouvé d'autres décorations funky. Et puis au pire on verra dans les prochaines années, mais je veux pas non plus trop charger comme le sapin est pas non plus très grand. C'est un sapin en pot, comme ça on va pouvoir le garder et ce sera cool. J'ai pris les kits genre pour faire la maison en pain d'épices et j'en ai pris 2 parce que je me suis dit que ça pouvait être rigolo un jour où on est libre, si on est libre genre la semaine prochaine, j'aimerais ça aller genre chez sa soeur puis faire ça avec sa petite nièce et genre faire ça tous ensemble. Puis elle est un peu petite pour vraiment fabriquer la maison, mais elle est pas trop petite, c'est pour être avec nous, qu'elle genre elle nous aide un peu, puis elle pourra participer à la décoration et tout ça. J'ai aussi, oh, ça fait en vrai, ça fait tellement longtemps que j'en cherche un, je sais pas pourquoi j'en trouvais jamais. Je suis tombée dessus un peu par hasard à Ikea. C'est un truc pour porter les gâteaux. Alors là, à l'intérieur, vous avez des marcations, donc c'est genre si vous mettez des cupcakes ou des trucs comme ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Et j'ai acheté aussi de quoi faire. Je sais plus si j'ai dit hier ou pas, mais j'ai acheté de quoi faire notre couronne. Et donc voilà, on fabriquera ça je sais pas trop quand j'aurai le temps. Cette semaine c'est foutu, enfin ce week-end c'est mort. C'est ça le petit update du vlog. Je vais faire tout ce que j'ai à faire et ben du coup je vous retrouve dimanche. En fait je vous retrouve genre tout de suite après, mais pour moi c'est dans 2 jours. Je suis vraiment pressée d'être dimanche, ça va être trop bien. Donc, à tout de suite. Alors, on vous retrouve, on est dimanche matin. On a décidé d'aller à la boutique en avance parce que hier soir j'ai regardé les commentaires sur le post de Facebook et tous les gens disaient qu'il y avait vachement de monde et qu'il y avait vachement d'attente. Du coup, je me suis dit, quitte à attendre, je préfère attendre avant l'ouverture. Donc on va aller acheter des plantes. Bon ben voilà, on y a été. On a bien fait d'arriver en avance. On était les premiers à faire la queue. Et après il y a eu du monde quand même, pas mal qui sont venus. C'était plus que prévu. Oui, j'avais dit, je me limite à 10 euros. Bon ben en fait ils avaient tellement de plantes que je voulais, que je suis là, oh je prends ça, oh je prends ça, oh je prends ça. Et au final on a combien de plantes? 1, 2, 3, bon, après il y en a 2, 4 qui sont pas pour nous. On en a pris 4 pour nous. Pour nous 4, ouais. Bon, ça va au final. Il y en a 2 qui sont pas pour nous, mais. Mais des belles plantes qui sont pas faciles à trouver en plus. Hein. Oui, je vous les montrerai quand dans une vidéo avec les nouvelles plantes. Et donc là, on va faire un petit tour dans les marchés de Noël avant d'aller bruncher.